L'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, exécuté par plusieurs compatriotes. Et c'est le cas d'ailleurs de Daniel Mengue, une bénévole qui a mis en place une initiative SOS Maison Précaire pour aider et réfectionner les habitations en conditions difficiles. Le point avec Andy Tungi, Lustève Mekui et Gérard Magnania. Du matériel de construction acheminé par ces bénévoles jusqu'au lieu du chantier, ici aux trois quartiers dans le premier arrondissement de Libreville. L'opération vise à réfectionner une dizaine d'habitations afin d'offrir aux occupants des conditions de vie saines et respectables. La maison était affaissée complètement. Quand je regarde tout ce qu'elle est en train de faire chez moi, vraiment, je dis Seigneur merci. Et je remercie Dieu de nous avoir envoyé une fille comme Danielle qui n'a jamais oublié d'où elle vient. Cette œuvre caritative attire presque toutes les composantes de la société, en témoigne le responsable des bénévoles. Les bénévoles sont composés des non scolarisés, des scolarisés, des étudiants, des étudiants en fin de cycle et des personnes à l'attente d'un boulot. Ici, tout le monde est en activité. Profitant de son statut d'influenceur sur les réseaux sociaux, Daniel Mengue a lancé un appel SOS Maison Précaire. C'est un acte citoyen de grande importance, un élan de cœur en ces temps de pandémie où de beaucoup de nos concitoyens vivent dans la précarité. Nous faisons avec mes modestes moyens personnels et surtout avec l'aide des personnes de bonne volonté, à qui je dis un énorme merci. Ici, par exemple, j'ai un message d'une dame qui me dit « Bravo Daniel pour ce que tu fais, j'espère t'apporter ma contribution dès que possible. Pourquoi pas parrainer une maison? Que Dieu te bénisse, j'ai les larmes aux yeux, t'es un ange sur terre. J'ai un chèque de 150 000, tu peux le récupérer dès demain à lui. On a besoin de soutien de tout le monde. » Loin de se substituer au rôle des pouvoirs publics, cette compatriote s'est voulue solidaire au sort de ses semblables.